Dieu tout puissant. La Bible dit, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vérités, les vertus de celui qui vous a rappelé, des ténèbres à son admirable lumière. Bénis cette œuvre. Pampo la libota o nome na comunes. Amém. Souviens-toi. D'où? Wap. Je t'avais tiré. Et pas il m'avait d'accueil. Souviens-toi. Bata, qui étais-tu avant? Regarde ton voisin, pose la question, qui étais-tu avant? La Bible dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu ne sois formé dans le vent de ta main. Je t'avais déjà consacré prophète. Souviens-toi. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui souviens-toi. Où est-ce que Dieu t'a fait tirer? Qui étais-tu avant? Pour que tu sois ainsi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Pour que tu sois parmi les élus de Dieu. Maintenant nous allons lire la parole de Dieu. Nous prenons les livres de Dieu. Un chronique. Veuillez maintenant vous tenir de vous. Je m'excuse. Un chronique 17. Prédication, témoignage, prédication, témoignage. Chronique 17, chapitre 7. Verset 7, je m'excuse. Chapitre 17, verset 7. Nous sommes dans le livre de Chronique, chapitre 17. Verset 7. Verset 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Annonce maintenant à mon serviteur David. Voici ce que dit l'Éternel. Le maître de l'univers, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef de mon peuple. Amen. Et vous asseoir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Regarde ton voisin. Qui étais-tu? L'objet des causes à la kinane. Un examen de conscience pendant quelques minutes. Vous savez, nous sommes en train de pleurnicher, on se pose des questions par rapport aux promesses. Mais la vraie question que nous devons nous poser, c'est celle de savoir d'où nous venons. Alléluia. D'où nous venons. Moi, je vous dis que le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Regarde un peu en arrière. D'où nous venons. Pendant que tu étais dans la maternité, peut-être tu n'as pas l'histoire. Ce jour-là, le médecin avait dit par rapport à la maladie, il t'avait terrassé. Le médecin était même désespéré. Il avait même donné l'information aux membres de la famille que je suis vraiment désespéré. Je ne pense pas que cet enfant va vivre. Alléluia. Amen. Regarde en arrière. Un pas en arrière, pardon. Des réflexions. Et je vais commencer ma prédication. Alléluia. Oui, tu te lamentes, tu te poses des questions, tu te dis des choses. Quand tu te tiens devant l'autel de Dieu en priant, tu rappelles à Dieu même des choses. Il y a même des gens qui disent que Dieu n'a pas exaucé ma prière. Non, Dieu est méchant parce qu'il m'a fait pleurer pendant l'année 2022. Pendant toutes ces années, j'attendais la promesse. Dieu m'a fait pleurer. Mais je voudrais que tu raisonnes au moins par rapport à ta vie. La vie personnelle. D'où tu es attiré. Qu'est-ce que tu étais hier? Alléluia. Amen. Pour que tu sois ainsi aujourd'hui. Mais le mieux de faire,
C'est regarder maintenant à l'avant. Vers l'avenir. Vous êtes en train de planifier par rapport à ça. Vous avez bien aimé cette année 2023. J'ai envie que quelqu'un puisse l'intérioriser. C'est une année baptisée. Une année d'exaucement. Dieu a besoin d'un élément dans ta vie. L'élément déclencheur de ta vie, c'est la foi. Si tu as la foi, sache que tu es déjà exaucé maintenant. Avant même de prier, tu es déjà exaucé. Avant même d'invoquer le nom de l'Éternel, tu es déjà exaucé. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Imaginez, bien-aimé, David avait une très bonne idée. Le problème de David, c'était de bâtir le temple pour Dieu. Il avait une très bonne idée parce que lorsqu'il a échangé avec le prophète, le prophète était tout à fait d'accord. Mais ce qui m'a estomaqué dans cette histoire, ou dans cette conversation entre Dieu et David, Dieu, David a une très bonne idée. La Bible dit, Nathan répond à David. Fais tout ce que tu as dans ton cœur. Car Dieu est avec toi. Or cette nuit-là, la parole de Dieu fut adressée à Nathan en ces mots. Vas-y à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas toi qui vas me bâtir la maison dans laquelle j'habiterai. Car je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'aujourd'hui. Mais j'ai été de temps en temps et de tabernacle en tabernacle. Partout où je me suis déplacé avec toi, avec tout Israël, et je dis un mot à l'un des juges d'Israël à qui j'avais ordonné de faire paix sur mon peuple, et je dis, pourquoi ne me bâtissez pas une maison de cèdre? Maintenant, tu parleras ainsi à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le conducteur de mon peuple. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le fond de moi? Est-ce que tu peux acclamer le fond de moi? Amen, amen. L'homme selon le cœur de Dieu. Les gens disent que Dieu, lorsqu'il a fait cette déclaration, que David est l'homme selon son cœur, c'était par rapport à son humilité. C'était une personne humble. Il savait à tout moment lorsqu'il péchait comment il faut se repentir, comment il faut arranger avec Dieu. Non, ce n'est pas ça, bien aimé. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que Dieu, lorsqu'il était en train de parler avec le prophète, il a dit au prophète, c'était par rapport à Saoul, qui était roi, mais rejeté. Amen. Dis à ton voisin, sois connecté. Saoul était roi à cette époque. Il signait les ordonnances. Il pouvait nommer les gens. Il engageait les pays vis-à-vis des tiers. Mais c'était un roi rejeté. Dieu ne comptait pas sur cet homme. Amen. Mais Dieu a dit, j'ai choisi un homme selon mon cœur. C'est-à-dire que c'était le choix de Dieu. Jésus est en train de parler à un choix de Dieu aussi. Souviens-toi d'où tu as été tiré. Qui étais-tu hier? Pour que tu sois le choix de Dieu. La Bible dit, David était selon l'homme. C'était selon le temps de Dieu. Donc selon le temps de Dieu. Mais on a parlé de David. C'est possible que dans chaque génération, on parle aussi d'un autre David. Peut-être dans cette génération, il y a un David qui est le choix de Dieu. Vous savez, quand Dieu choisit une personne, il lui donne une mission. Parfois, c'est une mission difficile. David avait une mission. Non seulement c'était il devait devenir conducteur d'Israël, mais aussi il y avait un grand défi dans les pays où chaque fois les pays vivaient dans les larmes
personne, un Philistin, qui nomme des Goliaths. Chaque fois qu'il montait devant Israël, il les cessait d'insulter les dieux. Amen. Mais en Israël, il y avait des généraux, des colonels, des personnes à guérir. Mais pendant ce temps-là, il y avait une personne qui était dans une formation particulière. Je suis en train de dire à une personne, le temps que tu traverses, peut-être c'est une formation particulière. Lorsque tu viens dans les membres de ta famille, tu te dis, mais je suis la seule personne qui mène cette vie. La vie que tu es en train de mener, elle est proportionnelle à la vie que tu mèneras demain. Elle est proportionnelle à la mission que tu vas te confier demain. Autant de douleur, autant de joie, autant d'ennemis, autant d'élévation. Que Dieu puisse exaucer toutes mes prières durant cette année 2023. Amen. Qui le souhaite aussi? Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Mais moi j'ai l'impression que tu ne m'entends pas. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Que Dieu exauce ta prière aujourd'hui. Quelle que soit la dimension de cette prière, même si tu es faible, pour nous les enfants de Dieu, la faiblesse ne signifie pas la faiblesse aussi de la prière. La faiblesse physique, généralement, est contraire à la faiblesse spirituelle. Je peux être physiquement faible, mais spirituellement, je suis fort. Que tu sois fort spirituellement. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. À partir d'aujourd'hui, que toutes tes prières montrent le parfum de mon honneur. Cette prière. Dis à ton voisin que Dieu écoute. Celui qui a planté l'oreille pour que l'homme écoute. Amen. À combien plus forte raison lui-même qui a planté. Quand tu pries, tu te dis, mais deux fois Dieu n'écoute pas. Dieu écoute. Je dis à quelqu'un que Dieu écoute. Amen. Amen. Dis à ton voisin que Dieu écoute. Dieu écoute la prière. Amen. Amen. Imaginez bien, René. Pendant le temps que le roi Saoul était rejeté, on était en train de chercher une personne providentielle. Amen. Vous savez, généralement, Dieu, lorsqu'il veut élever une personne, il rabaisse toujours la personne qui va les remplacer. Amen. C'est comme ça, Dieu, bien-aimé. Peut-être le poste que tu es en train d'estimer, Dieu est en train d'observer la personne qui est à ce poste. Vous savez, lorsque on a une parcelle de pouvoir, généralement, il y a ce qu'on appelle l'excès de pouvoir. Et dans l'excès de pouvoir, il y a des erreurs. Vous avez un directeur dans une entreprise. À un moment donné, on a mangé ça à Bayerer. Vous savez, nous avons une histoire. Amen. Une petite parenthèse. Nous avons une histoire. Quand on dit ma salle témoignage, mais à bon bien, au bon. La Bible, ça. La Bible, ça. La vérité. La vérité. Alléluia. Amen. La Bible, ça. 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 Macabre vivant. Alléluia. Ah. Il y a un secret. Il y a un moment d'envoyer ma problème. Tellement, tu as dit tellement bagandiste, bitou, machin. Comme ça, tout n'est pas. Ah, mon cher, tu as dit le Gundakawana. Mais qu'est-ce que nous sommes? Elle dit, oh, Biloko. Dans un rêve, elle est là. Elle dit, Biloko. Puis ça va faire Biloko, parce que.
l'école, nous sommes allés d'abord en primaire. Bon, on a réussi la tante comme nous disons en seconde. L'école, nous sommes allés en primaire. Nous sommes allés en gang, nous sommes allés. Si on tente de remettre la seconde, la Bible, mais là, c'est la Bible, loco. La Bible, c'est la Bible, beau pessin, la Bible, yaka. Bien aimé, tout, mais ma type, la joie, mon roi, ma sœur. Vous voyez, ma Philippine d'amitié, où est-ce que vous êtes? La tout le temps, ma Philippine d'amitié. La sanguissa. La cathédrale, on a cotisé une Philippine, mais crié. Voilà. La maison, soit la zone est là. La zone est esprit, son côté, ce soir. Voilà. Aussi Emika Bamboula, on est dans les seigneurs, tout ça. Mon combo, tu es la madame, mon côté là. Tu ne pas là. La suite, c'est la vie, mon cher. Vous voyez qui sont appelés ça? Vous avez un côté, vous avez un côté. 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 Vous avez c'est-à-dire qu'il avait la foi. Il y a celle qui n'a condiment. Amen. Amen. Il était capable de combattre même contre 10 personnes. Et la vie, comme vous la bateau. C'est la foi dont je te parle au champ. Et ça condiment. Tu n'as pas la foi. Tu peux même déplacer les montagnes. Est-ce que tu peux me dire amen? Et ça, il y a un petit les gens disent, Philippe, la zone est pour les points du matin. Dis-moi amen. Amen. Est-ce que tu parles avec un fond de roi aussi? Acclamons le fond de moi de moi. Amen, amen. Amen. Écoutez bien, aimé. Selon les humains, David était oublié. C'est quelqu'un encore. Selon les humains, c'était quelqu'un qui était oublié, rejeté. Mais selon Dieu, cette condition consistait à recevoir une par rapport à la mission qui était devant nous. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il pouvait parler de cet homme? Qui peut parler de David ce matin que je suis en train de qui peut parler de toi? Amen. Amen. Qui peut parler de toi? Aujourd'hui, tu n'as pas de la visite. Mais demain, devant toi, on verra des véhicules, des gens qui viennent devant toi. Demain, ton appareil qui ne sonne pas va commencer à sonner depuis 5h du matin. Demain, ta maison, les gens ne pouvaient même pas se poser des questions. Mais qui habite ici? Mais, à cause de la présence des gens qui viendront te voir, les mêmes voisins vont se poser des questions. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Vous savez, je vais vous dire un secret. Vous savez pourquoi Dieu avait mis David dans le pâturage? En fait, chaque fois que David était en face d'un défi, lorsqu'il va se souvenir de là où Dieu l'avait tiré, il ne fera pas d'erreur. Amen. Amen. Écoutez bien, aimé. David a compris une chose. Que sans Dieu, ma vie serait nulle. Avec Dieu, nous avons des exploits. Sa vie est dédiée à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux me dire amen? Où est-ce que j'étais hier? Où est-ce que moi j'étais hier? Lorsque je regarde en arrière, vous savez, moi généralement, quand quelqu'un me dit que, pasteur, moi je n'ai pas mangé. Tu as dit que 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 tu as dit que
vont échouer. Le jour Dieu va te bénir, nous en appelons à coller à l'anda pour jouer plus bien. Au père, c'est un peu tanda. Amen. Amen. Ce qui nous a bâti, quelque ta condition, c'est par rapport à la mission qui est devant toi. C'est-à-dire que nous avons dit qu'il y a des gens dans la banzara. Peut-être que nous avons dit même des orphelins, tu peux soutenir même des veuves. Amen. Mais généralement, vous allez voir quelqu'un qui était dans une misère pas possible. Lorsqu'il voit les bouts du tunnel, c'est fini. Il oublie même le passé. C'est pourquoi Dieu rappelait toujours à David le passé. Je te rappelle aujourd'hui ton passé. Aujourd'hui, nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. Dieu, dans sa révélation, a permis que nous soyons ensemble. Sans tenir compte de nos tribus, des gens, nous sommes ensemble comme un seul homme en train de célébrer la grandeur des Seigneurs. Est-ce que quelqu'un peut acclamer que fort? Gloire au Seigneur. D'où je t'avais tiré. Tu étais qui? Tu étais là dans le pâturage. Désespéré. Rejeté par la famille. Mais moi j'avais porté pour toi. J'avais dit que c'est l'homme porteur. Même si vous l'avez rejeté, aujourd'hui je redeviens son père rédempteur. J'ai dit à une personne, même maintenant, ma parole, ma beauté, ma logique, ma boîte à eau. Dieu, ma fou, Dieu, va te prendre en charge. On doit comprendre. Dans l'émission, le mot. Oui, bien. Pourquoi ça va permettre ta casse généralement, va rejeter nous avons dit, ma boîte à eau. Quand on va faire la solution. Pourquoi ça va faire la boîte? En dehors d'abord il y a formation. Pourquoi nous avons ça là? Nous avons ça là. Parce que Monica a été comme une place pour nous rejeter. Mais tu vas bosser là, on a quatre familles. Il faut comprendre une chose. Ce sont les locomotives. Alléluia. Amen. Yo kasiko. Nous avons pas permettre à Kabawa de nous rejeter. Pourquoi? Parce que pour Zambalingi, le jour tu vas témoigner. Mon colon, yo kota. Tu es mon monde à glorifier. Allez, gloire à Zara, y aille mon mot. Mais aussi on est considéré comme un échouant, comme un rejeté.
Il envoie le prophète. Le même prophète qui intercédait pour le roi qui est il dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Donc le prophète lui-même ne comprenait pas que lui il était là en train d'intercéder pour le roi, en train de prier, en train de prier. Mais oh Dieu, dans sa prédestination, il a vu un homme. Dans sa préscience, il a choisi un homme. J'ai dit à quelqu'un, dans la prédestination, Dieu t'avait déjà choisi. Écoutez bien, quand Dieu dit à Jérémie, que je t'avais déjà consacré prophète. En fait, il était prophète. Mais on attendait seulement la saison où il devait commencer comme prophète. Dieu t'avait déjà choisi pour jouer tel rôle. Mais le problème, Dieu attend la saison. Comme il a dit, comme l'a dit notre bien-aimé Jim, il a dit oui. Il y avait cette promesse. L'autorité avait accepté. Mais le problème, c'était la saison. Il était en train de se tourmenter lui aussi. Mais pourquoi je ne commence pas? Mais Dieu savait que dans la saison favorable, il y a la saison c'est la saison où je vais sonner la trompette. Que Dieu sonne la trompette pour nous. Que Dieu sonne la trompette pour une personne de toi. Amen, amen. Et que tu partes avec le fond le roi de moi. Regardez la réaction de Dieu. Prophète, j'ai vu un roi dans la maison d'Israël. Israël. Personne n'avait vu le roi dans cette maison. Seulement Dieu était capable de voir dans cette maison un roi au milieu des gens élevés, mais il y avait en son sein une personne délaissée. Alléluia. Tu as un retard. Il faut me l'attraper rapidement. Amen, amen. Parce qu'il y avait des généraux dans cette maison. Au milieu des gens élevés, il y avait une personne délaissée. Amen. Une personne délaissée. Une personne qu'on ne pouvait même pas compter. Une personne qui était dans les oubliés. C'est celui-là que Dieu a vu. Dieu n'a pas vu la foule. Mais Dieu a vu une personne. Une personne. Donc Dieu aime la qualité. Dieu n'aime pas la quantité. Oh! Dieu n'aime pas la quantité. Mais Dieu aime la qualité. Amen. Au milieu d'une famille, parfois élevé, il y a un homme que Dieu a choisi. Oh, cet homme est semblable à un agneau. Il était au milieu des quatre êtres vivants, des quatre veillards. Il était là. Pendant qu'on cherchait une personne pour sauver l'humanité, on n'a pas vu cet homme. Dans le voile, les a empêchés de voir. Le voile a empêché à Israël de voir la maison d'Isaïe et au milieu, un homme du nom de David. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire amen? Dis-moi amen pour que j'avance. Dis-moi amen. 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 Au milieu de cette famille, un homme était là. Le jour où le prophète devait exécuter le plan de Dieu, lui était absent. J'ai besoin de dire à une personne. Écoute-moi très bien. Le problème, ce n'est pas seulement que tu sois présent en face de moi. Tu peux être absent en face de moi. Mais tu es présent dans la présence de Dieu. Tu m'entends pas. Tu peux être absent en présence de moi. Mais en présence de Dieu, tu es présent. Amen. Tu peux être absent dans ta famille.
les humains, on peut te voir. Ce que tu entreprends, c'est déjà un échec en avance. Mais Dieu, dans sa présence, il te dit avance. Avance. Les gens ont cherché à décourager Jésus. Lorsqu'il allait à la gloire, en le frappant, en criant sur lui, les gens les décourageaient. Pour les gens, il allait même l'éliminer là-bas. Mais pour Dieu, il a dit, quelles que soient les douleurs, quelles que soient les moqueries, quelles que soient les mépris, quelles que soient l'humiliation, mon fils, le chemin est encore là. Le chemin est encore là. Dieu voulait dire, regarde en arrière, l'humanité entière compte sur toi. Si tu te fatigues aujourd'hui, qu'est-ce que l'humanité deviendra? Oh, que quelqu'un m'entend. Je dis à une personne, oui, certes, tu es dans cet imbroglio. Tu te plains beaucoup. Tu pleures. Mais Dieu te dit, ce n'est pas le moment de pleurer. Ce n'est pas le moment de lâcher. Les gagnants ne lâchent jamais. Avance. Avance. Amen. Avance. Qui pouvait croire? Cet homme qui avait porté la croix qui pesait sur lui pouvait arriver jusqu'à la destination. La croix, peut-être aujourd'hui que je suis en train de parler, c'est le problème que tu portes. Ce sont les difficultés que tu portes. Qui peut croire que cette année, c'est une année d'exaucement pour toi? Qui peut croire que c'est une année d'exaucement? C'est une année de témoignage. Qui peut croire? Amen. Amen. As-tu un témoignage? As-tu une histoire avec Christ? Si tu n'en as pas, peut-être tu n'as pas un vrai Dieu. Essaye le bien. Tu auras une belle histoire avec lui. Alléluia. Amen. En fait, qu'est-ce que Dieu veut faire dans ta vie? Dieu veut que tu sois une véritable fondation au sein de ta famille. Alléluia. Amen. Lorsque les tempêtes viendront, que tu ne sois pas ébranlé, que tu ne sois pas agité. Alléluia. Amen. Parce que tu es dans une bonne fondation, dans une profondeur. Alléluia. Bien soutenu par de véritables colonnes. Quelles que soient les tempêtes de la vie, tiens bon. Dis à ton voisin, tiens bon. Tiens bon. En attendant, c'est pour le roi de moi. Tiens bon. Souviens-toi. Tout je t'avais dit. Pendant ce temps-là, mais Dieu n'avait pas encore commencé l'histoire avec lui. Mais il a dit tout simplement. Il a dévoilé son plan suprême. Il a dit, j'ai vu un roi. Mais le roi que j'ai vu, c'est celui-là qui sera le conducteur. L'homme selon le cœur de Dieu. Je vais dire aussi, venir à l'église régulièrement. Écoutez la parole de Dieu. Priez Dieu. Pendant que nous traversons des zones doubles. Non, tu es le choix de Dieu. Je te dis la vérité, Dieu est le choix de Dieu. Beaucoup de gens qui nous ont accompagnés nous ont laissé partir. Ils ont décroché. Ils ont abandonné. Non, les choix de Dieu. Alléluia. Mais je dis à une personne, les choses de Dieu ne durent jamais. Dieu a fixé déjà un temps. Il y a un temps marqué. Il y a un temps marqué. Habakkuk a dit que je suis là. Je me tiens là. C'est mon tour de la garde. Je ne bougerai pas. J'attends l'accomplissement de cette prophétie. Même si elle va tarder. Mais quelle est la prophétie déjà fixée? La vérité est
vérité. La vérité, Jean-Paul. C'est les pensées de Dieu par rapport à toi. Dieu a dit, je ferai avec toi. Je vais dans cette prière cette année. Mais la prière, la vérité est morte. Les gens ne croient plus à la vérité. Mais les gens croient au mensonge. La vérité est là. Dieu a dit, c'est une année d'exemption. Existe par la parole.
si ton père fut un directeur, et que toi aussi, par la suite de ton, tu deviens directeur. Non, tu n'as pas Dieu. Non. Si ton père fut directeur, sur toi tu dois être ministre. Parce que ce sont des gens qui n'existent pas dans ta famille. J'ai dit à une personne, les mariages n'existent pas dans ta famille. Mais Dieu appelle les mariages qui n'existent pas. La famille a existé. Ce qu'on a dit, c'est que nous avons mis ça. Mais ça l'ennemi par erreur
J'ai envie de dire à une personne que Dieu confirme aujourd'hui que tu es la mère d'un leader. Sa mère
engendré l'idée. Marie a engendré l'idée. Quelqu'un m'entend? Dans la langue, on va dire. Même à papa, nous avons l'idée de meilleur le nom comme l'idée. Écoutez bien, l'arche devait disparaître. Parce que Dieu a vu un leader. L'arche devait disparaître. Parce que Dieu a vu sa parole qui est devenue une personne. Ah, ça me donne la gueule. Amen. Sa parole est devenue une personne. Est-ce que vous pouvez avoir la gueule? Maman dit maman, Hélène. Amen. Amen. T'as envoyé qui n'a pas lise en bout. Ils allaient dire argent, papa. Nanda témoignage. Nanda. Amen. Amen. C'est-à-dire quoi? Et le corps va dire. Ah la femme. Azana dit bota. Nana la femme. N'a pas voulu nazar dit bota. Ce qu'on a parlé de ça, c'est ce couple à valider. Amen. C'est pour signe. Il y a une autorité pour moi qui est élevée à cette époque à Sarkina.
Nabi Ponandi Makondini Fenanda, avant de commencer à samedi, Balon. Papa, Balon, on a autorité à la Moussala, pas. Ton goût à la fin. Et mon amour a fait le goût à la fin, sur la taille d'Ali. C'était un millionnaire en dollars. Autour de Jodan, notamment pour la Naketch, il y a location. Taxi. Sauf qu'il y a quelques années à la base. Au bout de sa naïve. Sur les amours pour la misère, va vous révéler. Amen. 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 Pour ça, les signes, comme fait compliqué, moi, ça couffa tout. Là, on a à cette époque, c'était parmi les trois premières maisons les plus belles qu'il y avait à Kinshasa. Les lois. A commencé à la salle de fête, là, vous n'avez pas des hommes. Ah, ça, c'est un bon. Bon, là, on va dire peut-être c'est ton cousin. Dès qu'on a commencé à voir que nous faisons la naïve. Là, on va souffrir. Amen. Alléluia. Prenez-y. Et nous avons dit que Yoka, dans le bagage, mon histoire va tout à balade. Concernant la paix, ça a prié par mon bagage. Son nom va pas au bout de sa bangote. On est l'histoire là-bas. On est dans la maca. Est-ce que vous tout le monde est l'histoire? Amen. On est pendant qu'on est en train de prier cette femme. Tant que je vous appelle, elle est la première. À quoi dire la sa période de la balade, on pèse la 46 kilos. Voilà la balance avec les loyaux. Moi, je suis un peu plus âgé. 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 Je suis un pasteur qui n'a pas été. Est-ce que quelqu'un peut appeler Jésus? Je suis en train d'appeler un invité. Mais ça comprend que tu as dit mon corps. Je suis un leader. Je suis un leader. Et ça, sous le temps, on va là. Amen. 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 Et ça, sous le temps, on va là. Là, on va là, l'idée, mon. L'argent disparaît. Sans doute que c'est pour Dieu. Jamais. S'il avait accepté de fleurir la belle d'Aaron, c'était une manière de confirmer son leadership. Et ça, là, tu l'as dit, mon gars. Les loups dans l'église Zamba confirmé leadership par tout le monde. Amen. Non seulement la carte à famille, mais même la carte à l'église. La carte à Congo, la carte à Kinshasa. Que Dieu confirme les leadership d'une personne. Dans l'âge, c'est tout où il y avait la manne. La manne, c'est une révélation. Ils allaient mourir. Là, ils sont révélations des loups. Révélation en amour. Ils allaient dire révélation qu'on dit que la vérité à la vie. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. Dis à ton voisin que la vérité à la vie. Il y a une sainte qui est en train de dire la vérité à la vie. La vérité à la vie. Amen. La vérité à la vie. Bien ne même pour toi pour ma vérité et la vérité. On ne sait pas ça, on va qui pour la vie et cocoqui. La Bible dit, ce qui est écrit, où les commandements étaient. Elle dit ça, elle dit ça, voisin, non, pas mon arbre. Elle dit ça, 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 avec assurance, Amen. Aujourd'hui, Joseph,
Joseph. Hélène. Hélène. A maintenant le nom. Azana Kombo. Et son mari. La Boubani Mana. Il y a une épouse. Et ça n'a moi aussi mon pote. Que Dieu avait choisi. Qui porte le nom de son épouse. Son nom s'appelle Christ. Comme le Christ. L'épouse s'appelle Chrétien. Moi aussi le nom de Christ. Le prophète lui a posé la question. Car c'est sur la moine à mon société. Il a un petit moko. La deuxième partie, c'est pour cinq épouses. Il y a des amis, il y a des amis.